Eh bien, salut à tous les potes, c'est Sceptique. J'espère que vous allez bien, mais surtout que vous êtes bien installés sur votre siège, parce qu'on a sûrement la plus grande annonce depuis les rumeurs de Call of Duty Infinite Warfare. Effectivement, il y a eu plusieurs rumeurs de où se passerait le prochain Call of Duty. Est-ce que ça se passerait dans l'espace? Est-ce que ça se passerait par terre, sous terre? Enfin bref, un peu de tout. Et là, on a vraiment quelque chose de gros. On a une très grosse nouvelle. J'ai vu les images il y a quelques minutes, donc c'est pour ça que je profite pour vous en parler. J'essaie de vous transmettre l'information au plus vite. Donc on peut voir à la fin des parties, à la fin des games de Nocturne 2065, que on peut apercevoir un vaisseau spatial. Donc je ne sais absolument pas si le vaisseau il est repris de quelque part, d'un film, quoi que ce soit, avec une tête de mort et un signe dont je ne connais absolument pas la provenance et je ne sais absolument pas à quoi il peut faire référence. Donc si quelqu'un sait à quoi ce signe peut faire référence, qu'il le dise en commentaire, ça peut vraiment aider dans ce débat là. Donc vous pouvez voir qu'on a, enfin, je dirais vraiment trois images bien distinctes. Donc qu'est-ce que ça peut être? On se le demande bien. On a un vaisseau, donc est-ce que ça fait référence à l'espace, aux planètes? Voilà, est-ce que ça peut vraiment être un Call of Duty qui se passera uniquement dans l'espace, sur des planètes ou quoi que ce soit? Justement, j'espère vraiment que vous allez réagir dans les commentaires. Et ceux qui l'ont vu, bah, justement, ceux qui peuvent voir ça, qui l'ont vu justement les mêmes images que moi, qu'est-ce que ça peut être? Voilà, qu'est-ce que ça peut être? Justement, je profite de cet instant-là pour débattre en commentaire avec vous, pour avoir vos impressions. La vidéo est déjà terminée, je t'invite à laisser un like si la news t'a plu et à t'abonner. Sur ce, je te laisse, ciao!